Au secours. Papa. Sean. Où tu es? J'ai très froid. Papa. Papa. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça. Ça sert à établir le profil du tueur et à essayer de savoir qui on poursuit. Quelque chose qui aurait pu être utile à l'enquête si ça avait été fait plus tôt. Poursuivez, Jason. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Avec de nouveaux indices, on pourra certainement réduire cette zone. On pourra alors la recouper avec nos suspects et identifier le tueur. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroits à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a deux suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah merde, on est en train de perdre notre temps avec ces conneries. Le tueur est là quelque part, il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos histoires, Carter. Ça fait 2 ans que vous courez après ce type. Et qu'est-ce que vous avez trouvé, hein? Rien! Vous n'avez absolument rien! Parce que vous croyez réellement que vous allez attraper ce tueur avec votre diplôme en psychologie et vos lunettes à la con? Vous n'avez aucune expérience du terrain. Vous n'êtes qu'un putain de bureaucrate! Votre grande expérience du terrain n'a pas empêché le tueur de noyer 8 victimes sans être inquiété! Espèce de connard! Ça suffit! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures. Thank you.
Personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On pourrait peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appeler la police ? On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Tombe bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jedden du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Pourquoi tous ces crucifix ? Vous avez peur de quelque chose ? Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation ? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité.
Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier, vers 16h30? Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous? Non. Non, j'étais seul. Et les voix, Nathaniel? Tu entends toujours des voix? On sait qui te parle, hein, Nathaniel? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Il t'ordonne d'aller chercher des nouvelles proies, hein, Nathaniel? Il lui en faut toujours plus. Non. Non! Il ne faut pas parler de lui, vous allez l'attirer! Il t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Tu voulais qu'elle s'arrête, hein, Nathaniel? Arrêtez! Arrêtez! Ça suffit! Alors pour les faire taire, tu leur as obéi? T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça? Non! Non! Assez! Assez! C'est toi qui as buté les gosses, hein? Tu vas le dire, espèce de salopard! Tu es l'antéchrist! Posez ces armes! Je vais te renvoyer chez ton père en enfer! C'est le fils de Satan! Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire! Merde, Jayden! Tirez! Je l'ai tué. Ouais. Bon débarras. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici. Balls. Et quelqu'un? Hey, salut, toi. Eh ben alors, où est passé ta maman? Vous êtes là?
Je vais appeler une ambulance. Non, je... S'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part? Oui. Je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Voyons voir. J'ai besoin de ça, ça et ça. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Emily. Je m'en occupe. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. Mais c'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule ? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Emily et je... n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non.
Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Un téléphone ? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Vous l'avez encore ? Oui, il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider ? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Emily. Oui, je vous le promets. Salut, Emily. Occupe-toi bien de ta maman. Excusez-moi. S'il vous plaît. Désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher cette... ma voiture. Ben dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Ça fait bien 2 ans que cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà, elle est au 3e sous-sol. L'ascenseur de service est au fond du garage. Et je vous pose ça là, d'accord? Allez, bonne journée, monsieur.
Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Thank you.